où tu veux, où tu vas, je te suis. Et je les appelle. C'est soit on y va, soit on les appelle. Je prends l'épreuve et je me casse. C'est bon. Salut l'équipe, c'est Mikalash et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être très particulière. Alors accrochez-vous bien car aujourd'hui on va tenter de piéger un individu de type suspect complètement fou qui de nos sources s'amuserait à déposer des objets très inquiétants dans les boîtes aux lettres. Du style des mouchoirs usagés, des lettres de menaces de mort ou encore des paires de chaussettes humides. Alors je vous explique, c'est très simple, on a tout simplement été contacté par une personne qui suit la chaîne qui nous a dit recevoir régulièrement ce genre de choses dans sa boîte aux lettres. Du coup il a commencé un petit peu à se poser des questions, il a essayé de voir autour de lui, il a contacté un peu ses voisins qui lui ont aussi dit recevoir le même genre d'objets dans leur boîte aux lettres. Donc ils ont commencé à se concerter, à chercher un petit peu entre eux, mais impossible de mettre la main dessus. Le problème en soi, c'est que c'est très malsain et qu'on sait absolument pas à qui on a affaire et que cet individu suspect peut être potentiellement dangereux. Donc cette vidéo, je vous le dis honnêtement, je sais pas encore si elle sortira, je sais pas encore si on va réussir à l'attraper, mais en tout cas, on va commencer à se planquer dès maintenant et à essayer de le choper. C'est parti. Bon l'équipe, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement caler la caméra quelque part. On va la cacher à un endroit où on pourra se planquer aussi. Et on va attendre sagement que l'individu daigne se montrer. Enfin bref, du coup, sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît. Comme vous le savez, c'est totalement gratuit, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos, ça serait dommage d'en rater. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Bon l'équipe, petite avancée dans la vidéo. Là je vous explique, ça fait 3 jours qu'on planque et qu'on essaye de tomber dessus. On n'y arrive pas, il y a rien à faire, on reste toute la journée, on le voit pas. Donc bon écoutez, je sais pas, là je suis en train de parler, je sais même pas si ce que je suis en train de dire ça verra le jour. Mais on va voir, on va continuer de planquer et j'espère qu'on tombera dessus. Allez, troisième jour, c'est parti. Oh, gros, viens voir d'abord. C'est quoi? C'est quoi ça? Gros, regarde. What the fuck? Gros, what the fuck? Gros, c'est quoi ce truc? Il est parti où? Attends, je le vois pas. Il s'est arrêté devant une boîte aux lettres. Il s'est arrêté devant une boîte aux lettres? C'est quoi ça, gros? Chut, chut, chut! Gros! Attends, j'essaie de le filmer. Il arrive. Chut, cache. C'est lui, tu penses? Ouais. Et pourquoi il était qu'ils ont. Il s'est arrêté un peu tôt. Mais pourquoi il était qu'ils ont Spider-Man? Je sais. Ah, il met un truc dans la boîte aux lettres, je crois. Ouais. Il a mis un truc. Cache-toi, il arrive. Viens, merde, donc cache-toi. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, gros? Ah, il essaie de. Ah, il a posé des mouchoirs. Il a posé des mouchoirs sur la boîte aux lettres. Il repart par là-bas, gros. Viens. C'est lui là, regarde. Ouais, il repart par là-bas. Ah, il refait d'autres boîtes aux lettres, je crois. Ah ouais, il se fait la tournée, gros. Ah, c'est lui. Je crois que c'est lui, gros. Regarde, c'est ce qu'on va faire. On va laisser un peu avancer. On va essayer de le suivre, tu vois. Et dès qu'il sera dans un endroit un peu plus tranquille, on va l'attraper et on va essayer de voir, tu vois. Oh, gros, il est malade. Mais en vrai. Il est peut-être dangereux ce mec. Bon les gens, je suis dégoûté, là on n'arrive pas à le retrouver. Ça fait 10 minutes qu'on est en train de tourner. Je sais pas s'il est parti, je sais pas s'il est encore là, on va encore rester. Écoutez, on va essayer de le chercher. On l'a perdu hein. Arrête la voiture, arrête. Monsieur, excusez-moi. Bon, excusez-moi, vous avez pas vu quelqu'un déguisé en Spider-Man? Ah, c'est ça, hein. En haut là? Ah ouais. Ok d'accord. Là, il y a 15 mètres hein. Ok merci, c'est bon. Ok merci, au revoir. Il est là-bas, vas-y. Ils sont venus. Chut, sérieux. Il va t'entendre. Il se fait emboucade avec le poteau, gros. Ah, il va où? Oh, gros, mais attends, écoute. Il est dangereux, gros. Ah, je sais pas ce qui va se passer. Il était en train de s'emboucader avec le poteau. Vas-y, tu sais quoi là? Je vais essayer de l'attraper. Oh, il est balèze en plus, hein. Il doit faire dans les 2 mètres, le mec. Qui me fait penser à Ed Camper, là. Je connais pas. Tu vois qui c'est? Oh gros, excuse-moi. Frère. Ah, n'aie pas peur, t'inquiète. Je viens en paix. Gros. Ça va mon pote? Comment tu vas, frère? Gros, ça va? Tranquille. C'est bon. Ça va? C'est qui lui? Comment ça? Tu me reconnais pas? C'est qui? Tu me reconnais pas? Qu'est-ce qu'il raconte? Batman, tu me reconnais pas, frère? Après toutes les planètes qu'on a sauvées ensemble. Ah, je te fais marcher, gros. T'inquiète, je te fais marcher.
Ça va? Pourquoi me tends-tu la main aussi? Tu parles tout seul, frère. Je suis là, hein, tu peux me répondre, tu sais. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Non, je rigolais avec toi. Tranquille, je t'ai vu déguisé en Spider-Man, je me suis tapé un délire. Ça va? La prochaine fois quand je parle, veuillez arrêter de me couper la parole, s'il vous plaît. T'es sûr que ça va? N'écoute pas, il dit n'importe quoi. Oula, on va garder nos distances pour discuter tranquillement. Hein? T'as le droit d'être ici? C'est-à-dire? T'es en liberté. T'as le droit d'être ici aussi? Ouais, mais toi, genre, t'as le droit d'être ici? Je me balade dans la nature. T'es sûr que t'as pris tes cachets aujourd'hui? Oui, j'ai pris mes cachets. Non, j'ai pas le cachet à prendre, de quoi tu parles? Ah! Sortez de ma tête! Ah, gros, détends-toi, c'est bon, calme-toi. Cassez-moi! Calme-toi, je suis là, je suis avec toi. Détends-toi, je peux te poser 2 secondes, voilà. Ça va aller, d'accord? Ça va? Allô? Comment t'es arrivé ici? Tais-toi, j'ai dû te fermer sa gueule. Comment t'es arrivé? Tu parles à qui là? Pardon, il me dit. Gros, comment t'es atterri ici? Sortez de ma tête. Comment t'es atterri ici? Sortez de ma tête. À qui tu parles? Qui est dans ta tête? Y'a quoi dans ta tête? Y'a quoi dans la tête? Arrête! Frère, y'a quoi dans ta tête? Je vais conquérir le monde. C'est bon, tu vas conquérir le monde si tu veux. En attendant, tu vas conquérir le banc déjà, tu vois, c'est déjà bien. Toi, j'en suis sûr. Oh frère, toi, j'en suis sûr. Regarde-moi. Regarde-moi, frère. Est-ce qu'il y a qui va pas? Non, regarde, attends. Fais voir. Oh! Frère, attends, attends, non, c'est bon, pose-toi. Tranquille. Je fais quoi? Pose-toi. On était en train de parler tranquille, tout allait bien. Je voulais te proposer un truc. Assieds-toi 2 secondes, je vais te proposer. Proposer quoi? Pose-toi. Si tu veux savoir, pose-toi. Je te donne 2 minutes, je dois aller sauver le monde. Je dois aller sauver le monde? Je te donne 2 minutes. Bon, frère, écoute. Ton frère déjà. Tu vois, j'ai vu ta tête là. Oui, qu'est-ce qu'elle a ma tête? Et toi, j'en suis sûr, t'as une tête, tu vois, à aimer les mouchoirs, genre. Je me trompe? Pourquoi j'aime les mouchoirs? Qui aime les mouchoirs? Bah, je sais pas, toi, t'as l'air d'aimer les mouchoirs. Genre. Arrête. Moi, si tu veux, regarde dans ma poche, j'ai quelques mouchoirs à te proposer. Bon, je me suis juste mouché avec. Ça sert à quoi? Après, faire quoi? Tout à l'heure, voilà, j'avais un petit rhume, tu vois, mais au final, en soi, c'est pas si grave, tu vois, on peut le réutiliser. Il est encore là, il y a encore des parties sèches. Bon, il y a pas besoin. Et du coup, moi, tu vois, ce que je voulais te proposer en gros, c'était d'essuyer la baffe que t'avais là, tu vois. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, calme-toi, prends un mouchoir. Oh! Recule, c'est bon, on se détend. T'approches pas, qu'est-ce que tu fais? Recule. T'approches pas, d'accord? Tu gardes tes distances. Donc maintenant, si tu veux bien me laisser partir, sinon je vais être obligé de mettre fin à tes jours pour pouvoir sauver le monde et parvenir à ma mission. T'es pas normal, gros. Qu'est-ce que tu faisais dans les boîtes aux lettres tout à l'heure? Quelle boîte aux lettres? Qu'est-ce que t'as mis dans les boîtes aux lettres? Hein? Quelle boîte aux lettres? C'est quoi les trucs que tu t'amuses à mettre dans les boîtes aux lettres? J'ai rien mis dans les boîtes aux lettres. C'est quoi ton délire? C'est quoi ton délire avec les boîtes aux lettres? Tu t'es envoyé pour sauver le monde. Pas pour faire ce que tu dis dans les boîtes aux lettres. C'est quoi? C'est des mauvaises blagues? Parce qu'il y a des mamans derrière ça, il y a des familles qui... Que tu vois pas, que vois tu pas choques, que tu traumatises. Écoute-moi! Tu crois que c'est marrant, que c'est un jeu? Ça, c'est quoi ça? Il y a que toi qui peux me le dire. Ça là. Ah, regarde, c'est quoi ça? Ça là, tu vois bien, tu reconnais pas tes trucs là? Où c'est que tu as pris ça? Comment ça, où c'est que j'ai pris ça? C'est ce que tu mets dans les boîtes aux lettres. Ah, oh, gros, lâche, touche pas. Prends-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Dérange, je m'excuse, je vais tout récupérer. Ah, tu t'excuses? Donc t'es conscient de ce que tu fais, t'avoues ce que tu fais? Je te contrôle pas. Comment ça, tu te contrôles pas? C'est comme s'il y avait une entité qui prenait le contrôle de ma personne et qui m'incitait à faire ça. Ah, toi, tu te fous de ma gueule, ça t'est complètement perché, gros. Et moi, je te dis. Non, regarde. Ça, tu vois, déjà, c'est chelou de ouf de mettre des mouchoirs, des chaussettes, mais ça, mon pote. Je lui montrais à un psychiatre, il t'embarque, tu prends 20 ans d'hôpital psychiatrique, frère. Tu crois quoi? Tu crois que je vais pas anticiper? Tu m'as pris pour qui? Regarde, ça c'est quoi ça? C'est toi ça? Tu reconnais ce que t'as fait? Je reconnais, je m'excuse, je t'ai dit. L'excuse d'avoir fait quoi exactement? Je me contrôle pas, quelque chose qui me pousse à faire ça. J'ai besoin de mettre ça dans les boîtes aux lettres. T'as besoin de mettre ça dans les boîtes aux lettres? Allez, rends-le-moi s'il te plaît. T'es conscient de ce que tu fais? T'es conscient des familles que tu traumatises? Tu recommenceras plus quoi? Ah, mais tout ce qu'il y a, t'as trouvé dans les boîtes aux lettres. Non, regarde, moi maintenant je t'explique. On repart dessus de bonne base. Non, moi j'ai. Tu me reverras plus. Ne touche pas. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Gros, reste tranquille, calme-toi, d'accord? Je t'ai déjà dit, je comprends pas à 100% mon corps. T'es bizarre, hein, tu sais que tu fais peur, hein. Regarde, c'est quoi? Écoute-moi, frère. On va faire un truc. Tu vas me suivre, on va aller à la voiture. On va faire quoi? Et on va aller à la police, tu vois? Non, s'il te plaît, pas la police, rien. Et au moins, tu vas leur expliquer. Rends tout, j'arrête. Tu vas leur expliquer? Non, tu me rends tout. On va aller à la police. Écoute-moi. On va aller à la police, d'accord? On va tout me rendre et ça va s'arrêter là. Tu me suis ou pas? Non. Tu me suis? Non. Oh! Tu veux quoi? Tu veux que je les appelle? C'est non négociable, d'accord?
C'est-à-dire là, il n'y a pas d'autre solution. C'est soit on va chez les flics, soit je reste avec toi, je te suis, où tu veux, où tu vas. Je te suis. Et je les appelle. C'est soit on y va, soit on les appelle. Souvent les preuves et je me casse. C'est bon, tranquille, tranquille. Arrête, recule, recule, recule. Tu veux qu'on en vienne aux mains? Assieds-toi, on va trouver. Désolé, vas-y, assieds-toi. Il n'y a pas de solution. T'es un psychopathe, frère. Tu vas t'asseoir. T'es un malade mental. Tu vas t'asseoir. T'es encore plus fou que moi, gros. Je vais partir de cette ville, on va plus jamais se revoir. Tu veux que je les appelle? Non. Je les appelle ou pas? Non. Recule, recule. Reste tranquille. C'est soit on y va, soit je les appelle. Si on y va. Arrête. Recule, recule, recule. Ah frère, calme-toi, moi je t'explique. Il n'y a pas d'autre solution, t'es taré. Non. Écoute, toi-même tu reconnais avoir un problème. Donc c'est soit je les appelle et ils viennent, soit on y va. Si on y va, au moins ils verront que t'es venu, tu vois. Ah. Qu'est-ce que tu fais, frère? Qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. Reste tranquille, pose-toi. Tu veux qu'on en vienne au moins? Tu vas me rendre les papiers, tout. Je vais partir. Tu veux que je te les rende les papiers? Ouais, non. Tu vas me rendre mes papiers, tu vas me rendre ma feuille. Ah, c'est pas parce que tu fais le fou cassé là. Tu veux tes mouchoirs? Regarde tes mouchoirs. T'as pris dans la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Recule. Bon voilà l'équipe, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'aurais aimé vous en montrer un petit peu plus, mais malheureusement je peux pas le faire, j'espère que vous serez compréhensif. J'essayerai si je peux de vous montrer quelques images supplémentaires sur Instagram. Donc venez me suivre, ça s'affichera normalement juste là. Mais sinon voilà, en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai réussi dans un premier temps à le maîtriser, mais après un moment d'inattention il a réussi à prendre la fuite. Mais donc bonne nouvelle, j'ai quand même réussi à lui arracher son masque et du coup à le récupérer. D'ailleurs je pense que je vous ferai gagner sur Instagram pour le délire, donc venez directement me suivre et je vous expliquerai. Et du coup voilà, grâce à ça j'ai pu filmer son visage. Et du coup en guise de preuve j'ai donné toutes les images qu'on avait pu filmer à la personne qui nous avait contacté. Et maintenant tout ce qu'il faut savoir, c'est que cette affaire est entre les mains de la justice. Donc bon l'équipe, n'oubliez pas le like, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les futures vidéos. Sur ce, c'était Mikalash et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.